Salut à tous. Voilà, voilà. Ça fait longtemps. Alors, oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Entre tout ce qu'on avait à faire, tout ce qu'on avait à préparer, tout ce qu'on a encore à faire et tout ce qu'on a encore à préparer. En plus, j'étais un tout petit peu malade à un certain moment, donc voilà. Mais c'est pas grave, on est de retour. Alors, comme on dit dans la vidéo, hein, je les ai pas ouverts. Le Melo 300, que ça fait quelques temps que je l'attends un tout petit peu. Salut Sébastien, salut Diplo, salut Michel Mosser. Alors voilà, vous avez le prix, de toute façon, je vais afficher à 32,90 le prix. Et on va tester, il est fermé, il vient d'arriver ce matin. Salut Nova, le super scone de Medusa Joyce. Coco Diplo, donc c'est une limonade avec je ne sais pas quoi. Salut Christophe. J'ai oublié, punaise. C'est pas des performances d'ailleurs, mais c'est pas grave parce que c'est pas les performances que. Alors, salut Danny Vap, le super scone, une pêche à la limonade. Voilà, voilà. Alors, on va l'ouvrir hein, parce que si on l'ouvre pas pour le tester comme ça, un peu difficile. Pouf, voilà donc la petite bête qui se présente déjà pour moi très bien. Bon, on va voir juste la gueule de la résistance. C'est un petit monstre hein, donc c'est pour ça que j'aime bien. On dirait pratiquement des résistances de chez TF, donc Smok. Qu'est-ce qu'on a encore dans le kit? Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Il y a juste la mousse. Ah non, il y a encore autre chose en dessous. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Bah, ils nous ont mis juste des cacas là. Ça c'est les cacas, les joints que... Voilà, bon, après, ils sont livrés, comment ça marche, la machine de garantie, bref. Des petites choses qu'on connaît tout le temps. Salut Sandra! Alors, comme d'habitude... Changement de la résistance, donc par le bottom, dévissage de la résistance. C'est vrai qu'elles sont impressionnantes, comme ça en main, elles sont vraiment, vraiment, vraiment impressionnantes. Là, il dit que c'est une résistance que tu peux vaper entre 100 et 300 watts, donc c'est une 0,17 ohms en SS316. Salut Calimeretta, salut Eric. Purée. Je vais me niquer la gueule moi ce matin. Bah c'est les deux c'est les mêmes. Bah oui Diplo, c'est ce que j'ai dit. Ressemble au TF de chez Smok. Hein. Donc on est pratiquement sur la même forme. D'ailleurs je me demande si les résistances TF elles ne montent pas aussi. Je ferai l'expérience. Bon après là on a un filetage qui est à l'intérieur, ok. Donc par la cheminée. Vous voyez le filetage de la cheminée, donc ce filtre là, à voir. Sous, on va revisser la petite bébête, donc l'airflow hein, par le bas, sans aucun problème. Je pense qu'il y a assez d'airflow, même sans remplir, sans rien. Oui, là il va rien. Ça va, ça devrait le faire. Donc, remplissage. Donc, le remplissage, il dit open. Ce qui dit open. Open, j'ai une flèche. Ah ouais, ok. Donc, ils ont fait comme le Melo RTA. Plaf par glissement. Donc, vous avez écrit ici open. De celui-là, on a la flèche de la direction où il faut pousser, on pousse et le chargement se fait par là. Donc après, on va voir l'étanchéité. Maintenant, avant toute chose,
Bon, en privé, il y a quelqu'un qui me demande. Attends, qu'est-ce qu'il me demande? C'est les médusas de chez MGV? Non, donc je les ai pas pris chez eux. Je pense pas que c'est les leurs. Mais je vais demander aux fournisseurs, aux grossistes, là où je les ai achetés. Parce que si après c'est les copies des Medusa Juice, ça va être vite fait dit que c'est les copies de Medusa Juice que quelqu'un en France, il les copie. Tout simplement, il n'y a aucun problème. Salut Johan. Alors, on va bien humidifier le coton. Salut Noé. Hop, la pla 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 pla. Noé, fais une fois une photo sans la vapeur devant toi, qu'on voit tout ton visage. On dirait que tu joues toujours à cache-cache. Coucou, je suis là. Coucou, je suis pas là. Coucou, je suis là. Qui, qu'est-ce? Salut David. Il est top cet atout, Noé. Ben, écoute, voilà, c'est. Je pense que toi, tu l'as déjà essayé. Non, je ne l'ai pas essayé encore, donc ça va être la première fois. C'est pour ça. Je l'avais vu, j'ai essayé de le trouver. Le premier fournisseur, le temps que je le commande, ben, il était en rupture. Et alors, il y a eu un autre fournisseur que j'ai vu. Tac, je dis, ah, tiens. Alors, j'en ai pris une vingtaine. J'en ai pas pris beaucoup, j'en ai pris une vingtaine. Salut mon Rafi! Salut Bernie Vap! Bernie, millésime, à dimanche après-midi. Je viens en vapéro. D'ailleurs, on se contacte tout à l'heure. J'ai quelque chose à te demander, Bernie. Je pense que tu vas l'adorer, mais je ne peux pas dépasser les 200 watts. Bon, de toute façon, moi, je ne vape pas. Pour Johan, pourquoi tu me demandes TFV12? Non, j'en ai pas de TFV12 et ça il n'y ressemble pas. Salut Maxime. Le liquide, il sent bon. Après, t'as fini là. Oh, oh, oh. Open. Ciao Marco. Buona giornata a te. Marco Cirincione. Forza Italia. Base RBA. Écoute, alors Michel, je vais te dire la vérité. Je n'ai pas approfondi la chose. Je suis honnête avec tout le monde. J'ai juste vu la taux. J'ai vu juste la contenance 6,5. Donc une très 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 belle contenance. Surtout quand on va vaper à 100 watts. On n'est pas là pour le remplir tous les 2 secondes. Maintenant, je ne sais pas s'il y a déjà ou s'ils vont la faire une base RBA. Après, Ilif, il travaille quand même assez bien. Donc, pourquoi pas? Je pense qu'ils vont la faire. En tout cas, le remplissage, ça s'est passé vraiment tranquille, sans aucun problème. Je vois qu'il n'y a rien qui coule. Bon, je vais prendre ma Renault. Je le pose où là? Ma Renault. Parce que je ne peux pas le faire avec l'Exome 017. Elle ne va pas trop aimer la petite. Alors, Noé, par contre, il boit autant que le TF. Bah, Noé, si on vape minimum à 100 watts avec une 0,17, ça ne m'étonne pas du tout qu'il boit. Donc, que le bébé, il a soif, j'en doute pas une seconde, tu vois. C'est quoi comme clairo, Jean? C'est le Melo 300. Et les résistances à combien ça descend minimum et quelle marque? Donc c'est le Melo 300 de chez Ilif et les résistances on est à 0,17 en sextuple coil. Donc de 100 à 300 watts. On peut y aller. Salut le Nordin! Comment tu vas Nordin? Nordin, bada bada Nordin! Viens voir papa, viens voir papa. Bon par contre je vais faire la chochotte. Hein. Je commence avec du 65, question de voir quand même. On va attendre encore un tout petit peu. Bah, Johan, oui, mais de toute façon, les TF, hein, donc Johan aussi dit qu'avec son TF, il fait 6 à 8 remplissages par jour. Bah, je vais vous dire, moi, avec le Lemo 3, déjà, je fais 7 à 8 remplissages par jour. Donc,
Bon, je vais vous dire, déjà à 65 watts, ça cartonne bien. Heureusement que j'ai mis un juice à 0 parce que sinon je vais m'arracher la gueule. Donc 86. Sans forcer, hein. Ça tourne bien, ça. Je ne sais pas, Johan. Je viens de les avoir ce matin et donc j'entends de le tester avec vous. Hein. Il y a combien dans le Limo 3 6,5, Noé. Ou tu voulais dire il est à combien? Parce qu'il y a I à combien dans le Limo 3. Donc si c'est dans, c'est 6,5. J'ai bien compris la question. Millilitres. Parce que sur mes kilos, on va pas trop supporter, tu vois. Oui, il va. Oui, Noé, je vape, je vais dire honnêtement, malheureusement, je vape énormément. J'étais à l'époque, quand je fumais 4-5 paquets de cigarettes par jour, bah, là je suis à 7-8 atos, avoir des fois 9 atos par jour. Ça peut m'intéresser à moi si ça m'intéresse. Nicolas De Oliveira, saluti. Alors, 86. On a, par contre... Alors, je parle aussi du liquide. C'est toi le vendeur de Mr. Brewer. C'est pas que je suis le vendeur de Mr. Brewer. Je suis... j'ai pas la barbe, mais je suis Mr. Brewer. Oui, effectivement, c'est moi le créateur Mr. Brewer, que ce soit arôme concentré, que ce soit la gamme PAV, donc PAV, pour l'instant 19 juice prêt à vaper. Voilà, en flacon de 50, il y a 40 ml dedans, ça vous laisse 15 ml environ de place pour mettre votre booster de nicotine. Ouais, c'est vrai que c'est Raphaël Philippe sur la photo avec sa barbe que j'ai fait honneur pour le logo. Raphaël dit non, c'est moi, Mr. Brewer. Tu connais pas le Mr. Brewer, Noé? Aïe, 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 aïe. Alors, Yann, il dit, ah, d'accord, top, c'est liquide, mon préféré, Gravity of Love. Merci. Bon, effectivement, le Gravity of Love, c'est le top des ventes. Hein. Donc, le mélange pastèque, melon, fraise avec une pointe de citron, ça plaît à tout le monde. C'est vraiment un grand kiff. Eh oui, salut, Patman. Oui, Yann, c'est le top des ventes. Le Gravity of Love, c'est top des ventes. Ça, c'est sûr, c'est certain. Et pas qu'en France, en Italie, en Belgique, en Espagne, au Portugal, un peu partout. Patrice Duteuil, comment vas-tu, mon Patrice? Bon, alors. Ça va être parce qu'il est en zéro. Hein. La pêche, on la sent. Hein. Salut Jérôme. Donc, le Medusa, le Super Skunk. Bon, sur le site tout à l'heure, j'ai mis juste la description du Suprême. Mais c'est pas grave, je change après l'image. Tout le reste, j'ai déjà corrigé. Je pourrais avoir un maillot, s'il te plaît, de Mr. Brewer. Ça dépend. Est-ce que tu fais taille homme? Parce que le minimum qu'on a, c'est du double XL. Pour Raphaël Philippe, on a du quadruple XL parce qu'il a des épaules comme ça. Je vais voir les tailles qui me restent encore. Ça va toi, mon Jean? Et la deuxième boutique, ça va? Ouais, ça va, Patrice, ça va, tranquillement. Et commence à prendre pied la boutique sous Strasse, tranquillement. Les gens, ils viennent et ils accrochent bien. Donc, c'est qu'apparemment, on commence à faire aussi le bon travail. Comme d'habitude. On ne peut pas faire du mauvais. On ne sait pas qu'on ne peut pas. On ne sait pas le faire. Eh oh, les gars, laissez-moi me vanter tout seul. Tu verras avec Fabrice, mon boss. Bah, ah oui.
Mais il y a pas de souci, Johan. Tu me contactes après par MP, tu me donnes ta taille. Je regarde ce que j'ai, si je l'ai là, avec grand plaisir. De rien, Noé. Ciao, à la prochaine. Ok. Donc, on va augmenter un tout petit peu. Je vais quand même aller sur du 100 watts, comme on s'est préconisé sur la résistance. Voilà. J'ai mis 100 pile poil. Ben bien sûr que ce soit au salon, Patrice, je serai là-bas, je suis exposant d'ailleurs, donc il n'y a pas de souci. Hein. On va faire test toutes les gammes. La vidéo, je voulais dire, quoi la vidéo? Tu vas au salon et quand la vidéo avec Ted Joyce, et on va la faire la vidéo avec Ted Joyce, Patrice. Il y a aussi, comment elle s'appelle, j'ai oublié, maintenant elle va me tuer si j'oublie, Morgan, que ça fait trois fois qu'elle m'écrit, et alors t'as oublié, et alors t'as pas eu le temps, bah oui Morgan je sais, mais voilà, faut aussi me comprendre, ciao Oriano, amorone mio, il faut aussi me comprendre, je suis en train de sortir mes gammes, je suis en train de préparer le salon, je suis en train de faire tout ça, donc voilà quoi, je n'ai pas vraiment le temps. Oui Patricia, je suis au salon à Lyon, bien sûr, j'expose, vous me verrez là-bas avec toute la gamme Mr. Groover et je ramènerai aussi la gamme PUV avec, comme ça vous pouvez la tester. J'espère que d'ici là, la 10ml elle arrive parce que donc j'ai déclaré. Voilà, je vous le dis, la déclaration elle est faite, le paiement il est fait, il me faut encore 2 semaines le temps qu'ils arrivent. Je travaille avec un labo en Angleterre, cette fois-ci pour les 10 ml, TPD Ready, même en Belgique et tout ça. Et tu t'occupes du shop, de la shop, quoi, quelle la shop, Diplo? Ah mais ce sera avec plaisir Patricia, ça fait longtemps. Pas de problème, t'inquiète, bisous Jean, un bon week-end. Merci à toi aussi Patrice, bon j'essaye de lire vite. Salut Seb, Antonio, zio, che bellezza vederti in linea, almeno così. Bon, en tout cas, oui, effectivement, j'ai la tête qui tourne un peu, malgré c'est du zéro, hein. Mais pas mal. Honnêtement, je vais vider l'ato parce que je peux pas l'appeler clairo. Moi, dès que ça descend le home, pour moi, ce n'est plus un clairo, c'est un ato. Donc, ce clairo sub home, je vais le vider. Je suis vraiment curieux de voir si je mets mon cactus citron là-dedans. Qu'est-ce que ça va donner? L'éteint du Jean, tu fais tout en même temps, tu es partout. Bah ouais, mais oui, Diplo, ouais. La saveur, elle est bonne. Oh, attendez, il y a un terroriste qui arrive. Je vais vous montrer, les gars. Oh, purée. Hey, franchement, vous, à ma place, assis là, faire la vidéo, vous auriez peur à voir un mec qui rentre comme ça, là. Ça va, Nordine? Tranquille. Tranquille. Je regarde la vidéo à la fin. Bah oui, j'ai vu que tu étais là. Tu étais là et en vidéo, tu n'étais plus là. Et maintenant, tu es ici que tu étais là. T'as vu? Bah ouais. Ah. C'est vrai, live. Oui, Christophe, la saveur, elle est là. Effectivement, par contre, il faut commencer à vaper à 100 pour commencer à sentir la vapeur. Parce que sinon, la pêche, on ne la sent pas trop. Il y a ce citron qui est là, petit, subtil. Tout petit, mais par contre, quand on commence à monter à 100 watts, on a la pêche qui vient beaucoup plus. Mais la taux, putain, on dit pas putain à la télé, hein? Mais putain, ah, encore! Mais ça sent bien, putain, c'est Oh, vous avez fini là, les deux là, Diplo et Raph. Bisous. C'est quoi ça? Oh. Hey, il me voit lui en direct. Je suis là en même temps. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà.
Moi-même en direct. Ben bien sûr que je suis jaloux de Raph Diplo. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas une nouveauté. Raph, c'est ma maîtresse, c'est la maîtresse de personne d'autre. Salut Max. Il va pas bien. Ah la vache, je m'attendais pas à une chose pareille. Allez, on teste 150. Attendez, n'écrivez pas tous ensemble. Je sais, moi aussi je t'aime. Bah, mon beau Raph, mon beau Mr. Bruber. Déjà, on n'écrit pas comme ça, gay Sébastien. Alors, hein, c'est un Y. Et puis, vu qu'on est à deux, S à la fin. Gays. Oh putain, c'est chaud, 150. Hein. La vape, elle est hyper chaude. Bon, je préfère sans... Non, 100 watts, c'est bon. Oh putain, ça me... Mais je vais tester. Si c'est comme je dis, j'ai trouvé l'atout pour l'expo à Lyon. Je ferai tout goûter sur le Melo 300. Ah la vache. Tu veux tester 11-0? Mais oui, que je vais te faire tousser, vas-y. Allez, Nodine, allez, Nod. Mais vas-y, j'ai juste craché dessus ce matin. Putain, tu vas pas me faire ça, vas-y, là. Il s'est remis à la vape là, le monsieur. 3-4 mois à la clope. Il vape super, super, super bien. Il est doux. Salut Céline. Ça. Putain, il est doux. Pas putain, la télé. Il est trop bon. Ben, c'est un bel atout. J'ai dit, bon, c'est vrai que... Et puis ça va, hein, il a pas bu beaucoup encore. Hein. Il fait beaucoup de bulles, là. Alors, sinon, ça, putain, il va pas encore tout seul, là. On dirait, tu sais, quand t'as tiré. Davide Zambito, l'amo con è mio. Davide, Melo 300. Madonna, c'est une machine à vapeur, cet atout là. Trop bon. Va falloir quand même que je teste ces deux liquides là. Ah oui, mam, Davide. Tu peux les prendre, Davide. Tu peux y aller. Pas de souci. Tes clients, ils vont aimer. Davide Zambito. Adibou! T'es où, Adibou? T'es où? Attends, je vais chercher ma box pour tester sur Drippers. Drippers, yeah! Ah! Ah, si, è vero, perché è più di 2 ml. Ah, purée, c'est vrai, en Belgique, il peut parler. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais goûter le Special K. On dirait une recette pour faire la diète, là. Special K.
Qu'est-ce que je... Je dois avoir encore la limonade là sur la langue, ça me fait chier. Baies rouges, des baies rouges. Des baies rouges. Salut Maxime, le petit du diplo. Salut Isabelle Wendling. Ouais, sì, Davide, dopo ne riparliamo in privato. Merci Davide. Davide dice Robot Club in Belgique di Mr. Boover number one. Grazie Davide. E le allora la baie rouge. Le prix, Jean, c'est 32,90 diplo pour le Mello 300. 32,90. Alors, la baie rouge, oui, elle est un peu légère. Elle est un peu légère. Je vais retester le Super Skunk sur Dripper pour voir. Si ça donne autre chose avec une vape un peu plus traditionnelle, quoi. Parce qu'on va pas vaper tout le moment et tous les jours à 100 watts, quoi. Salut Steve. Ouais, on a un peu plus de pêche qui est là. Automatiquement, le citron, il ressort moins parce que ben on chauffe les arômes moins qu'avec le Mello 3. On a plus de pêche et beaucoup moins de citron. Mais non, Diplo, ils sont arrivés ce matin chez moi, donc pas avant le lundi pour les Mello 3. Lundi, il les aura sous strass aussi. Bon, voilà quoi. Voilà quoi. Bon, par contre, hein, pour ceux qui aiment bien. Il est où? Nordine, tu me l'as caché? Non. Ok, alors. Pour ceux qui aiment bien. Bah oui, mais Diplo, je le donne à Greg lundi, quand il vient lundi matin, et puis c'est bon. Cactus citron. En arôme concentré. 30 ml, comme d'habitude. Donc, écrit en trois langues. On a l'allemand, le néerlandais. Il est où le français là? Il doit être quelque part que je l'ai perdu. Ah non, il est toujours là. Les trois langues elles sont là, donc TPD ready. Et on l'a aussi en prêt à vaper. La gamme Pub, donc la dernière venue. Hein. Voilà. Donc pareil, on a les deux langues allemand, néerlandais. Français, que c'est là, en zéro nicotine, flacon de 50, 40 ml dedans, donc ça vous laisse, voyez, ça vous laisse la place pour mettre votre Nix. Chez nous, ça s'appelle Nix, votre booster de nicotine. Donc, exactement, si vous le remplissez, donc vous mettez 15 ml de Nix, vous avez 5,5 de nicotine, ok? Donc, 5,5, ce n'est pas si mauvais que ça. Je vais quand même reprendre mon ato parce que je suis fan moi-même, pour une fois, de mon Sparkling Cloud, donc mon raisin orange champagne. C'est celui-là que je vape toute la journée. Ben, Davide, dès que tu les reçois justement, ben, que tu fais ta vidéo aussi en direct, ben, tu me préviens, comme ça je suis là et je te regarde avec grand plaisir. De toute façon, tu le sais que je te suis, donc il n'y a pas de souci. Et un jour, bah pareil, je vais essayer quand même de fermer un jour ici. Et puis, je vais passer chez vous. Salut Pascal Loulou.
Voilà. Ça, c'est mon Sparkling Cloud que je n'ai plus. Il me faut du Sparkling Cloud. Il est où? Il m'a piqué le Sparkling Cloud. C'est pas possible, ce mec. Terroriste, voleur? Bah ouais. Ça, c'est vraiment un Italien. Heureusement. J'en ai toujours. Oui, Davide, on va organiser. Moi, pour mon côté, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis ouvert 6 jours sur 7. Et j'ai personne pour me remplacer ou pour faire autre chose. Mais bon, dans le pire des cas, si je ferme un jour, il ne va pas y avoir mort d'homme. Et je me prends un jour de congé d'ailleurs. Ça va me faire du bien aussi. Ça va me faire reposer un tout petit peu. Voilà. Donc, juste pour vous mettre un tout petit peu l'eau à la bouche, il y a du... Bah oui, Davide. Bien sûr que d'abord c'est toi qui viens, je t'attends. D'ailleurs, il faut que tu me confirmes, comme ça je peux bien réserver le resto pour midi, quoi. À tout à l'heure, Isabelle. Donc, pour vous dire, il y a du bubblegum en 10 ml. Là, on va parler de la nouvelle gamme qui arrive. Il y a du bubblegum qui arrive, il y a du cherry cola qui arrive, il y a du fruitilicious qui arrive. Il y a 3 nouveaux tabacs qui arrivent. Qu'est-ce qu'on a encore? J'ai oublié. Du Blue Burst à la baie bleue et tout le reste. Il y a une réglisse à l'anis. Il faut que tout le monde la goûte, c'est là. Elle est exceptionnelle. Donc, voilà. Donc, en gros, fraise et champagne. Davide. Je vais vous les faire goûter à David et Sylvain. Tu seras le premier à les tester en 10 ml. Ils seront en 0, 3, 6, 12. Par contre, tout de suite, ça va rentrer 0, 3, 6. Et juste après, je fais rentrer le 12. Vous verrez et vous me direz, c'est vraiment des belles petites bombes. Kevin, ça fait longtemps. Et après c'est tout. Donc là, on a ouvert Strasbourg. Maintenant, il faut que je me dédie à refaire toute ma boutique ici, parce que je vais refaire toute la boutique. Ciao, Giuliano Grigio. Je vais me dédier à faire toute la boutique. Pour le mois de mars, donc on est au VAP Expo à Lyon. Et juste après Lyon, on va se prendre une semaine, 10 jours de... on va respirer et tout de suite après, on va lancer un méga Vapero. Parce que là, maintenant, ça fait quelques temps que je n'en ai pas fait. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, Bernie, t'es où là? Bernie, tu me donnes l'adresse? Chez Bonne Vap, il y a un Vapero demain de 14h à 18h. Donc là, on est en Lorraine. Bernie, celui-là, quand tu le veux. Alors, c'est où le Vapero? C'est où le Vapero? Donc moi j'y vais, comme ça, ça va me faire bien passer un bon dimanche après-midi. Ça peut être chouette, rencontrer d'autres vapoteurs d'un autre secteur, rencontrer toute l'équipe de Bonne Vap, qui ont des putains de boutiques, les salauds. Voilà, pour ceux qui habitent en Lorraine, près de Metz, non, c'est Metz, quelque chose comme ça, faites-vous plaisir, demain, Bonne Vap, il fait un Vapero de 14h à 18h. Donc voilà, je dis, j'y serai. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ils vont me reconnaître, je vais mettre le polo avec Mr. Brouwer. Comme ça, je serai connaissable tout de suite. Bon les gars, c'est samedi, il est 10h. Bon, la boutique est ouverte depuis une heure, mais de toute façon, je fais les vidéos. Pourquoi? Parce que je sais qu'à mon 10h30, il n'y a personne. Bon, lui fait partie des murs. Voilà, maintenant, je pense qu'on va arrêter. Et puis, si vous avez des questions ou autre chose, n'hésitez pas, vous me contactez, vous m'appelez. J'essaye de répondre à tout le monde. Voilà quoi.
Allez, go. Bon week-end, bon samedi. Amusez-vous bien et bonne vape à tout le monde. Ciao.